à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Destination Montagne et je vous propose un petit topo sur la Belle Étoile, sur les contreforts des Bauges et de la Combe de Savoie. 750 mètres de dénivelé, 28 lacets, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour cette superbe rando, on est parti de Faverges, vous pouvez aussi partir d'Albertville. C'est donc direction le col de Tamiers, plus précisément le collet de Tamiers. À partir de là, on vise le petit hameau de la Ramaz, petit parking, nickel. Et là, on part pour donc deux bonnes heures de montée, ce qui nous fait une rando à 3h30 aller-retour. Simple, facile, efficace. Commencer à nous connaître, ça pouvait pas être aussi simple que prévu. Il y a une route forestière qui est en train d'être construite sur la Belle Étoile, mais vous inquiétez pas, moyennant un petit détour, le chemin reste très très bien indiqué et bien sûr il y a la possibilité de monter. Ça y est, on vient de sortir de la forêt, arrivé à la Croix du Périllet, 1700 et quelques mètres. On arrive sur la dernière partie de l'itinéraire, la plus intéressante bien sûr, celle des crêtes. Il nous reste 150 mètres, on va au bout, on s'arrête pas. Amis, la Belle Étoile, 1913 mètres d'altitude. On a mis deux grosses heures, bon, avec les arrêts images bien évidemment, et vous avez pu le remarquer, ça monte progressivement mais sérieusement tout du long. Une rando qui fait plaisir pour tous les collants pipettes ou pour les belles randos en famille du dimanche, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et quel panorama, ça laisse sans voix, c'est la classe. J'aime bien cette sommet à 360 degrés, ça permet de faire des petits tests de connaissances. Donc si je me souviens bien, dans l'ordre ou dans le désordre: Petite Sambuie, Grande Sambuie, Chorionde, Péclot. Ensuite, on passe début de Maurienne, par là-bas, les Aiguilles d'Arve, l'Abe d'Emparaché, Glacier de la Vanoise. On va passer sur le Grand Mont, les sommets de Beaufort. Bien évidemment, le Mont Blanc, le Mont Tondu, la Verte, si je me souviens bien, forcément. On passe du côté des Aravis, le Charvin dans l'Axe. Plus près de nous, c'est la Dent de Conce qui va nous emmener jusqu'au Massif des Bornes avec bien sûr la Tournette, les Dents de l'Enfant. Et jusqu'au lac d'Annecy, je suis à peu près bon. Ouais. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais bien sûr, pour les plus motivés, vous pouvez continuer jusqu'à la Dent de Conce, mais ça fait une sacrée journée. Nous, on se retrouve très bientôt. Prudence en montagne. Salut.